pas, ça va pas. Ça ne va pas, ça va pas. Et ben vous savez, oh, je m'en fous, je l'ai fait quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tuffytuff, comment allez-vous? J'espère que tout va très très bien pour vous. On se retrouve pour des petites news, des news que je voulais faire debout, voilà, pour tout vous dire. Mais ça va pas, ça va pas, je peux pas régler comme il faut. Ce qui me dérange, je vous le dis, c'est que là, donc j'ai une petite vitre sur cette porte et j'ai la luminosité de la fenêtre qui tape trop dedans, même quand je bloque. Avec mes petits rideaux isolants que j'ai mis avec cette porte-là, ça me cause des siennes parce que derrière il y a aussi d'autres fenêtres et tout, et je ne peux pas régler ça correctement. Donc, vous savez quoi? On va se remettre normalement pour ces news. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous verrez un peu les coulisses et les petits trucs à la con que je m'énerve. Je reprends le fauteuil. Comment allez-vous? J'espère que tout va très très bien pour vous. On va parler dans cette vidéo de plusieurs choses. Pardon, ça gigote un peu. Attendez, j'ai ça, voilà, à ragrandir. Ça aussi. Hop, je me cadre bien. Comment ça va? Vous jouez à quoi en ce moment? À quoi jouez-vous? Qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Hop. Ouh, quel beau cadrage. Attendez, il en reste encore deux à faire. Et ça ira tout seul. J'espère que tout va bien pour vous. Hein. Ça fait trois fois que je le dis, mais en même temps, c'est la vérité. Hop, et on va cadrer comme il faut, comme je cadre normalement. Et ben voilà. Voilà, on fait comme ça. Petite news de la chaîne où on va se retrouver pour discuter de mes problèmes d'internet. Que ça continue. De Xenoblade Chronicles, le premier qui est rentré. Donc je vais commencer à vous rentrer du Xenoblade Chronicles X Cross. On va parler des projets que je vous ai parlé la dernière fois, le projet super-héros. D'ailleurs, là, il y a un montage qui est en train de sortir, mais je vous dis pas ce que c'est. Je garde ça secret pour l'instant. Et du projet Resident Evil, parce que vous allez voir, c'est un gros packaging, ces news. C'est pour ça que je me permets d'en refaire. Je vous avais dit que j'en referais que quand c'est vraiment indispensable. Et là, pour le coup, ça l'est. Sachant que ce mois-ci, voilà, en septembre, normalement, si tout se passe bien, et si le jeu sort à la date qu'il est censé sortir, le jeu est précommandé. Donc, je vais vous faire le premier Juste une vie sur un jeu neuf. Et donc, ça, j'ai hâte de pouvoir vous le proposer. Ça sera en septembre. Fin septembre. Je ne vous dis pas la date. Comme ça, vous ne saurez pas encore quel jeu il s'agit, mais je vous en reparlerai certainement avant le lancement, où je vous laisse la surprise totale. Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Grosso modo, mes soucis d'internet. je devais l'avoir, la dernière date qu'on avait eue, que je vous avais parlé, c'était le 20 septembre. J'ai reçu un message quelques temps après en me disant que c'était décalé et j'avais pas de date. Donc j'ai été gueulé. ça commence à me saouler. J'ai vu le truc. La validation de ma ligne a été faite le 22 avril 2021. Et donc, normalement, ma nouvelle date, ça serait le 23 septembre. Vu que c'est la première fois qu'il me décale que de 3 jours, je me dis que c'est peut-être la bonne. Je commence à espérer, et c'est pas bon quand j'espère avec eux, parce que... ils sont nuls. Parce que c'est des nuls, voilà. On va pas aller plus loin dans les mots. Je vous dirai pas qui c'est, hein. J'ai pas envie de leur faire une mauvaise pub à Orange. Je ne suis pas comme ça, mais... puis là où je suis, je peux prendre que Orange, malheureusement. Malheureusement, pour des questions d'implantation, en fait, tout simplement. C'est les joies de la campagne et, pire que ça, les joies de la montagne, grosso modo. Mais il y a Corange ici, Free, ils sont un peu plus loin, et ce qui fait qu'on a un débit qui est catastrophique. En fait, tout le monde là où j'habite à Orange, sauf une personne qui a SFR, et c'est la seule personne chez qui ça ne marche pas. Donc, vous voyez, mon choix a été vite fait. C'est Orange que ça s'est tourné, mais bon, Orange, bah, pour ouvrir une ligne, ils sont longs. Ils sont très longs. Ils sont très... Sachant que, pour tout vous dire, j'ouvre ma porte d'entrée, je fais à peu près 5 mètres, et j'ai le boîtier de raccordement des lignes. Donc les mecs, ils me cassent. Ils m'embêtent depuis... Bah depuis le 5 mai, au moment où il devait venir pour la première fois, depuis le 5, pour 5 mètres. Et je sais pas pourquoi ils ne bougent pas leur
qu'on a derrière là, sur lequel je peux m'asseoir. Ça, je ne sais toujours pas. Bref, officiellement, donc la nouvelle date, c'est le 23. Ce qui fait que je me trouve un petit peu embêté parce que dans les projets super-héros, et comme vous savez, pour compenser, voilà, le fait qu'il m'ouvre pas encore une ligne, il me prête un petit truc à côté. Mais ce petit truc a des gigas limités. Donc je peux pas tout faire avec. Je ne peux pas être totalement libre. Je suis revenu 25 ans en arrière quand j'étais chez Wanadoo, quoi. Grosso modo. Il me faudrait les CD d'installation, vous savez, 1 à 2 heures gratuites. Vous avez connu ça? Si vous avez connu ça, dites-le moi. Il y en avait partout de ces CD. J'avais une pile à une époque. Putain, il faudrait que je les retrouve, ça. Il faudrait que je les retrouve pour montrer à la petite jeunesse de la chaîne qui ne connaîtrait pas ce genre de choses. Mais bon, bref. Donc voilà, je peux pas tout faire. Et donc, j'ai des film games qui doivent être faits sur PS5 pour le projet Super Héros. Ce qui fait qu'il y a des poids de vidéo assez conséquents, et si je commence à rentrer ça, après moi je peux plus rien faire du mois, quoi. Donc je peux pas vous les rentrer. Je peux pas. Je ne peux pas. J'ai un film game qui est complètement fini pour le projet super-héros. Je peux pas la rentrer sur la chaîne. Je peux même pas la programmer en me disant bon bah c'est pas grave, je la poste plus tard. Non, 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 non. Je peux. Je suis bloqué. Je suis pieds et poings liés. Et donc je peux rien faire. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Eh ben je me suis dit que j'avais un projet que je devais vous faire pour début 2022, que j'avais en tête, et ben je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, et celui-là risque d'arriver à la suite de Xenoblade Chronicles. Je vous en reparlerai au moment où ça se fera de toute façon. Donc ça, voilà, je vous tiendrai informé de ça. Et donc le projet Super Héros est décalé. Je l'espère que je pourrai rentrer des vidéos à partir du 23 septembre, parce que je voulais faire d'abord le projet Super Héros, et ensuite le projet Resident Evil, pour tout vous dire. Mais je me suis aussi retrouvé bloqué par des enregistrements sur le projet super-héros, puisque c'est un truc qui m'oblige à avoir une connexion. Un truc solo, voilà, où on vous oblige à jouer connecté. Ça, j'adore, je kiffe. Alors déjà, en temps normal, ça m'énerve, parce qu'il n'y a pas de raison de devoir s'identifier. Voilà. S'identifier. Mais j'ai acheté le jeu, j'ai téléchargé votre DLC. Un DLC gratos, en plus, pour le coup. DLC gratuit, et vous me demandez une fucking connexion permanente pour pouvoir. Bref, donc le projet super-héros, et bah j'ai deux film games, voilà, qui sont en train. Il y en a un qui est en train d'être fini, comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit dans cette vidéo. J'ai tellement recommencé à essayer de régler mes lumières que je sais plus où j'en suis. Bref. Donc voilà, le projet super-héros, ça va arriver. Normalement, si tout se passe bien, honnêtement, ça devrait être rentré cette année. Je ne sais pas quand, par contre. J'ai un peu peur qu'il y ait un blanc à un moment donné dans les film games et que certains se disent, bah ça y est, en fait, il arrête complètement les film games, il ne fait plus que ces petites émissions là qui ne nous intéressent pas. Donc, on verra. On verra, on verra. J'ai commencé à Juste une vie revanche. Tiens, j'en ai refait un. Ça a commencé cette semaine, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Je suis paumé. Veuillez m'en excuser. Je suis paumé en ce moment. Voilà, je pars dans tous les sens parce que tout bouge autour de moi. Je ne sais plus à quel moment je vous ai posté des vidéos ou non. C'est fou ça. C'est fou quand même. C'est fou. Donc j'ai commencé à Juste une vie revanche sur Minecraft. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, ça a été suite à une discussion et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas refaire du Juste une vie Minecraft? Donc ça a commencé. Donc il y a beaucoup de Juste une vie en ce moment. Je devais vous refaire un je le veux. Et il va falloir que j'arrive à le tourner avant qu'il y ait une autre vidéo qui arrive. Parce que celle-ci a déjà été tournée et j'en parle dedans. Donc j'espère pouvoir vous la rentrer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, là, en fait, c'est un jeu. Je vais pas vous dire quel jeu. Vous savez que je reste toujours un peu mystérieux dans les news. C'est juste pour les histoires de vous teaser aussi, hein, que ça vous attire. Venez. Venez, restez sur la chaîne. En ce moment, j'ai. Tiens, je vous en parle juste après de ça. Pour revenir au jeu le veux, c'est un jeu que je me suis dit, tiens, en ce moment, il y a la Gamescom. Il y a peut-être moyen qu'ils relancent un trailer à la Gamescom, puisqu'ils avaient recommencé à recommuniquer autour du jeu. Et c'est un jeu qu'à chaque coup qu'on le voit, il s'améliore.
Donc je me suis dit, je vais attendre la Gamescom. Et pour l'instant, il n'y a rien eu de montré. Donc je vais peut-être devoir vous le faire. Mais la dernière vidéo, ils ont montré des choses qui sont un peu plus jolies, un peu plus intéressantes. Et très courtes. Et coupées d'un gars qui nous explique comment avance le jeu. Donc je ne sais pas trop comment le faire, le jeu le veut. Soit je vous prends une longue séquence de gameplay qu'ils avaient déjà montré il y a pratiquement un an, je crois. Mais que depuis, ça s'est bien amélioré. Donc je sais pas. J'en sais rien. Donc je vais voir comment je m'organise pour tout ça. Sinon, oui, ce que j'ai commencé à vous évoquer. Vous savez, quand j'ai lancé la V2, je vous ai dit, oh, le fait que ça fait 2-3 ans que je faisais plus d'émissions, le fait que ça va revenir, qu'elles vont prendre beaucoup de place, entre guillemets, sur la chaîne, parce que moi, dans mon quotidien, ça ne me prend pas énormément de temps. C'est un jeu le veut à tourner, c'est pas très long. En termes de montage, c'est pas très compliqué non plus. Les Juste une vie, c'est des trucs que quand je les ai faits à l'époque, donc c'était les premiers Juste une vie, c'était en 2013. L'idée était aussi de me dire, ben je voulais rejouer, jouer avec des jeux vidéo, mais pas juste jouer, c'est jouer avec le jeu. C'est pour ça que les Juste une vie existent de cette manière. Et je sais plus où je m'en allais avec tout ça. Et donc oui, et quand j'ai lancé la V2, je me suis dit, tiens, je vais connaître une vague de désabonnements et tout. Et en fait, non, ça s'écrème, mais petit à petit. Petit à petit. En ce moment, là, cette semaine, ça a été mon plus petit taux d'abonnement que j'ai eu depuis le début de la chaîne. C'est la première semaine, j'avais fait, pour tout vous dire, cette semaine, j'ai fait 7 abonnés. Merci à vous. Voilà. 7 abonnés. Mais 7 abonnés, ça m'était pas arrivé depuis la première semaine quand j'ai lancé, pardon, la chaîne en 2012. Donc ouais, ça m'a fait un petit truc de voir juste 7 cette semaine. Bizarre. Que se passe-t-il? Bref, donc voilà. Pour ceux qui s'inquiètent qu'il y aurait plus trop de filmiam, bah si, ça continue, mais sauf que maintenant ils sont postés qu'une fois par semaine et ils sont rentrés en projet. Voilà, et pour les autres, bah, bienvenue pour ceux qui s'abonnent vis-à-vis des Juste une vie ou ce genre de choses. Donc j'espère que ça va. Alors les Juste une vie vont continuer à vous plaire. Et j'espère que ceux qui aiment les filmiam vont continuer à aimer les filmiam. Bref. J'espère, restez, s'il vous plaît. Ça m'a fait bizarre cette semaine. Mais en fait, je m'attendais à une vague de désabonnement d'un coup. Que de l'avoir petit à petit cette vague, ça m'a mis un petit coup au moral. Je dois tout vous dire. Bref, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu remonté. Donc, on verra. On verra. Je tiendrai au courant de tout ça dans les semaines ou les mois à venir. Hein. Si vraiment il n'y a plus personne qui regarde, comment je ferai? Qu'est-ce que je fais? On verra. Mais je compte aller au moins jusqu'aux 10 ans de la chaîne. On fêtera les 10 ans. Pour les deux personnes qui sont restées, on fêtera les 10 ans de la chaîne. Bref! Je m'étale un peu dans ces news, mais c'était des news très particulières ce mois-ci. Et donc voilà, grosso modo, les choses arrivent. J'attends vraiment là que ma connexion internet soit installée, la vraie, que je puisse vous rentrer des choses comme je le désire, de la façon que je le souhaite, pouvoir aussi préparer d'autres choses à côté beaucoup plus facilement, pouvoir faire des enregistrements beaucoup plus facilement dans ces jeux qui m'obligent à avoir des connexions permanentes. Et puis d'ici là, ça devrait rouler, sachant que, en fait, j'ai une hésitation à remplacer le projet Super Hero d'abord et puis Resident Evil 8 ensuite, par l'inverse, parce que le projet Resident Evil 8, j'ai beaucoup de choses que je sais que je les ai et ça marche et je peux enregistrer et tout. Mais j'étais parti à fond dans mon truc de Super Hero, donc c'est pour ça que ça m'a coupé les pattes. Bref, on verra. Comment les choses vont avancer. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant si jamais le 23, j'ai toujours pas internet. Et là, je ne sais pas comment je fais faire pour vous rentrer des film games. À part bah, Xenoblade Chronicle Cross, il n'y a pas de souci. Celui d'après, normalement, il n'y a pas de souci. Il contiendra trois jeux d'ailleurs. Dont un qui est déjà sur la chaîne, mais vous verrez, j'ai tout retouché. Un deuxième qui avait été mis sur la chaîne. Et qui avait été supprimé par YouTube, mais c'était à une époque où, quand on rentrait des vidéos, on n'avait pas autant de choix qu'aujourd'hui. Là, je sais que je vais pouvoir désactiver la monétisation, leur dire, oula, cette vidéo, elle correspond pas à tout le monde, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et un troisième jeu qui n'était toujours pas sur la chaîne, un jeu que j'avais kickstarté et que je n'avais toujours pas joué.
pour dire des fois que je suis bien en retard. Bref, voilà ce que ce sera. En tout cas, eh ben, je vous remercie infiniment si vous m'avez suivi jusque-là dans cette petite news. Si vous m'avez suivi aussi sur la chaîne depuis tout ce temps, si vous m'avez suivi depuis peu, en tout cas, bienvenue. Je vous dis à très, très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, eh ben rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Tofitof TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye!